Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine. Et aujourd'hui on va se faire le nouveau single de Dossé featuring 13 blocs, Papillon. Quatrième extrait, si on se trompe pas. Oui. Quatrième extrait du futur album de Dossé qui s'appellera du coup Vida Losa, qui est annoncé pour cette année. On avait eu le morceau avec Sadek, pas mal, tout est neuf. Nouvelle puce, nouvelle pute, nouvelle opus, milliers d'euros ou plus, nouveau leasing. On avait eu ensuite KFC. Mes frères ont tous fait le heps, aucun de n'a fait le hedge. Il ne rêve que de l'acide edge, baiser des tasses les tèges, ton album meuf. Qui était un single vraiment efficace, très court. On avait eu aussi un son qu'on n'avait pas review. Pas dans cette vie. Qui s'appelait Pas dans cette vie. Pour qu'on leur faire du bien, ils ne retiendront que le mal. Ne faire que du sale, reste un devoir crucial. Et là on a Papillon avec 13 blocs, voilà, le groupe trap à la mode en ce moment qui est on the rise. Mais c'est de la trap distinguée je trouve. Qui doit sortir en plus cette année l'album Triple S entièrement produit par Icaz. Ça arrive en avril ça. Donc ça va être chaud exactement, voilà, donc pas surprenant de les voir sur le projet de Dossé. Après est-ce que ça va être sur l'album? Après c'est bien parce que ça peut leur donner ça donne de l'expo. De l'expo de ouf aux 13 blocs. Donc je propose qu'on y aille direct. Allez, c'est parti. On s'écoute Dossé featuring 13 blocs, Papillon, extrait de Vida Losa. Oula, j'ai un ré mineur pas très fort. Ré mineur. Let's fucking go. Combattant. J'avais mon téléphone. Tout écrasé par un bus. Produit par Junior à la prod et le clip est réalisé par Chris Macari. Je déploie mes ailes comme un SLR. Je déploie mes ailes comme un SLR. SLR, SLR, SLR. SLR, SLR, SLR. C'est bizarre, faut lancer bizarre quand tu sers la main sur la rue de ma mère. Dernière fois que c'est la dernière fois que je dis, dernière fois que je donne mon respect. Ma peine vie qu'ils ont jamais vu que rater. Afin de t'as tout fou, ah ouais, ma pute, on sait que c'est pas la tête. À la marche avec nous, paraît-il, t'as vu ces pierres. Tu vis tes premiers yankees, tu vis tes premières règles. De sang, tu passes au sobre. De sang, tu passes au sobre. De sang, tu passes au sobre. La réussite, on pose en paix. Je me fais sucer en réfléchissant. Si c'est ça, les grands, les gros puissants. Je déploie mes ailes comme un SLR. Je déploie mes ailes comme un SLR. SLR, SLR, SLR. SLR, SLR, SLR. Ah ah, je peux pas arrêter, j'avoue, je peux pas quitter la saucisse. T'es là, toute ta grand-mère, on sait même pas qui t'a causé. Samedi, je suis au jazz, fais ta kermesse si je suis pas payé. Toujours dans les jazz, pas dans ta vieille salope mal peignée. Génération défoncée sous aide, sous ça, j'aime sans les ailes. Pas des centimètres. Pas dans le plan, mais quand même la quiche tape. Si tu donnes de rentre, est-ce que t'es fou toi? Je ne pense pas. Tu donnes nos guides, demande t'aide à papa. Ce grand garçon pleure. Max, bif, nerf de la guerre, tire avant d'aller en enfer. Ching, ching, bling, bling, dish, dish, t'as pu savoir comment faire. Alors, monsieur? Le son il est lourd. Après, c'est vrai que Dossé, je l'ai pas trouvé ouf dessus. Parce que le 13 bloc est bien au-dessus, bien au-dessus. Le refrain de Z est très très lourd. En fait, c'est le post-refrain. Tu vois, t'as le refrain de Dossé qui est SLR, 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 très répétitif, très minimaliste, donc finalement quelque chose qui va me saouler à la longue. Et après, elle arrive avec cette voix, mais alors lui, gros, quand il va sortir un projet solo, c'est un peu le Swahili, tu vois. Genre, il a grave des mélodies, il a une voix vraiment atypique. Et vas-y, genre, il a ça en lui, tu vois. Et ouais, après, derrière. Tous les autres membres du 13 bloc, ils ont délivré pour moi et c'est vraiment Dossé qui est en dessous. Après, voilà, le son il se veut street. Je regrette le fait que la boucle de la lead elle soit trop répétitive parce qu'au final, tu vois, j'avais du mal à accrocher au début. Elle est trop courte. Trop courte en fait, c'est ça, c'est répétitif et trop court. Ça aurait été bien d'évoluer un peu la lead, tu vois. De changer peut-être la bassline aussi. Bah, surtout que t'as des rappeurs qui rappent de manière différente, tu vois. Ouais, évolution c'est vrai. Ça aurait été bien. Mais sinon, voilà, c'est un bon son, mais ça reste toujours sans plus de ce que. Ouais. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'il nous a sorti, c'est sans plus. Bah, ça rejoint ce que je disais quand je parlais
d'un rappeur Dossé, tu peux pas dire qu'il est nul, mais qui voilà, pour moi, n'a pas une voix très charismatique. Et tu le vois quand il pose avec des artistes qui ont des voix atypiques, qui ont des voix qui attirent directement l'écoute, tu sens qu'il est trop derrière, tu vois, quand il y a son couplet, déjà que la boucle, comme tu l'as dit, elle est répétitive, mais surtout très courte. Son couplet, il est très fade, franchement, il n'y a pas de punchline. Moi, j'ai lâché un petit rictus sur actrice porno voilée, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est très simple, tu vois. Mais c'est ça, en fait, pour moi, c'est représentatif et c'est la preuve de ce que j'avançais à la dernière écoute sur le fait que Dossé, c'est un artiste, un rappeur qui n'a pas une voix charismatique. Et là, quand il se retrouve face à un 13 blocs, bah, je trouve, il ne s'est pas bouffé non plus, mais il se fait complètement voler la vedette. Il se fait complètement voler la vedette. On dirait que c'est lui qui est en feat sur un son de 13 blocs, tu vois. Et tu te dis, quel est l'apport? Et en fait, t'arrives à te dire, et c'est ça le pire, quel est l'apport de Dossé sur son propre son? Alors que d'habitude, la question, c'est quel est l'apport des feats? Quel est l'apport de l'invité ou des invités? Là, c'est quel est l'apport de Dossé sur son propre son? Et c'est quand même problématique, comme tu l'as dit, ça fait déjà plusieurs sons qu'on a un petit peu le même ressenti et la même conclusion. Donc, sur tout un album, ça va être chiant. Et voilà, le 13 blocs qui tire encore leur épingle du jeu en termes de featuring, comme ils avaient tiré leur épingle du jeu sur le featuring AR avec Al Capote. Ouais, alors pour le coup, je trouvais que sur le fond d'Al Capote, c'était pas mal, mais sans plus. Mais là, tu sens vraiment qu'ils sont dans leur prime. Ah bah, de toute façon, l'album arrive, donc je pense qu'ils balancent les derniers gros featuring avant. Bah écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce nouveau son de Dossé featuring 13 blocs Papillon qui était produit par Junior à la prod, dont le clip a été réalisé par Chris Macari. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Aussi, là, on a quand même 4 singles, ça peut quand même donner de gros indices sur comment l'album va sonner. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez surtout pas les réseaux sociaux. Amine Hugo, Snapchat, Twitter, Facebook et maintenant Instagram. On s'approche des 10 000 abonnés sur Instagram et surtout des 100 000 abonnés sur YouTube. Pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir financièrement, vous avez toujours le lien du Tipeee dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.